Bonjour, ici on va parler d'une méthode de commande robuste qui s'appelle le mode glissant, en anglais sliding mode. Donc ça c'est une méthode qui est utilisée entre autres, mettons qu'on a un camion qui se promène sur une route, donc notre entrée de contrôle c'est une force de propulsion qu'on applique. Il y a peut-être une force relativement connue de vitesse qui est proportionnelle avec le carré de la vitesse du camion qu'on peut modéliser. Mais par exemple, si la route est très accidentée, il y a probablement des perturbations que je vais appeler D. On n'est pas capable de modéliser avec un terme précis qu'on connaît la structure du terme parce que c'est plus une force aléatoire qu'on peut ressentir. Donc, ça c'est une méthode de commande qui est utile si on est capable d'avoir une idée du max et du min. Donc, on va être capable de concevoir la loi de contrôle connaissant le max et le minimum possible pour une perturbation qui, on peut garantir qu'il va fonctionner malgré la présence de cette perturbation-là. Fait que si on écrit, pour faire un exemple, avec ce petit système-là, les équations de la dynamique, on a masse fois accélération du système, plus ici, on a une force de drag qui est quadratique. Ici, on a le terme la perturbation. Et ici, ce qu'on contrôle, c'est la force de propulsion du système. Donc, ici, le type de loi de commande, la structure va ressembler à ça. Notre force de propulsion qu'on va contrôler en temps réel, ça va être deux termes. Donc, un terme ici, qui est dans le fond l'équivalent du couple calculé. Donc, on utilise les termes connus de mon équation pour avoir la force désirée en fonction d'une trajectoire donnée. Et le deuxième terme, c'est un terme discontinu, que c'est lui qui va nous permettre de garantir qu'on est capable de résister à la perturbation. Donc, avant de rentrer dans le détail mathématique de pourquoi ça fonctionne, juste expliquer un peu le principe dans l'espace des phases. Donc, vous vous rappelez que ici, l'espace des phases, supposons qu'on a masse-vitesse ici. L'évolution de notre système pour une force donnée, c'est une flèche ici. Mais dans le contexte ici, si j'ai une grosse perturbation, peut-être que je vais me faire dévier ici. Tandis que si j'ai une grosse perturbation, mais dans la direction opposée, peut-être que je vais me faire dévier ici. Donc j'ai comme un cône d'incertitude. Un cône d'incertitude que je ne sais pas exactement où je vais me retrouver dans la zone ici. Donc, la méthode du mode glissant, qu'est-ce qu'on réfère par mode glissant? C'est qu'on va choisir ce qu'on pourrait appeler une espèce de trajectoire d'approche. Qui correspond à S égale 0. Le S ici, qui est défini, en fait, on a déjà utilisé dans la commande adaptative aussi, c'est le même S, c'est une combinaison de la dérivée de l'erreur et de l'erreur. Donc, l'erreur étant la position désirée moins la position actuelle. Donc, quand on est à S égale 0, qu'est-ce que ça implique? Ça implique en fait que notre erreur est égale à moins... La vitesse que notre erreur diminue est égale à lambda fois l'erreur actuelle. Donc, notre erreur décroît de façon linéaire ici. Et dans l'espace des phases, ça correspond à ici, à être sur cette courbe-là. Puis...
aller vers le point zéro erreur ici. Donc, pourquoi ça c'est utile? C'est qu'en fait, un coup qu'on définit cette trajectoire d'approche-là, qui est définie dans le fond par notre paramètre ici, lambda, considérant le compte d'incertitude, le principe, ça va être que si ça c'est notre surface d'approche qu'on veut utiliser pour converger vers zéro erreur, bien, si on se retrouve ici, on va pousser fort vers la surface de sorte à ce que tout notre compte d'incertitude il soit toujours en direction de la surface, comme ça. Tandis que si on est ce côté-ci de la surface, on va pousser fort dans l'autre direction, assez fort pour que, peu importe la perturbation, on pousse assez fort de l'autre côté pour que toute l'incertitude se retrouve de l'autre côté de la surface. Fait que qu'est-ce qui va se passer avec une trajectoire dans ce cas-ci? C'est que on va converger vers notre surface d'approche et ensuite on va descendre, on va glisser le long de cette surface-là, d'où le nom mode glissant, en se faisant pousser d'un côté et de l'autre comme ça, avec le terme discontinu ici, qui est lui qui nous fait cet effet-là. Quand je dis si on est à gauche, on pousse à droite toute, puis si on est à droite, on pousse à gauche toute. Ça, c'est le rôle du terme discontinu ici. Dans le fond, le signe, si ça c'est la surface, on est à S égale 0. Et ici, on est à S plus grand que 0, puis ici, on est à S plus petit que 0, par exemple. Donc, le terme signe, ça c'est un terme qui prend soit 1, soit moins 1. Donc, on va forcer de K pour nous pousser d'un côté ou de l'autre pour nous garder sur cette surface-là. Donc, si on rentre un peu dans les détails, avant d'entrer dans les détails, juste vous montrer ce que ça donne un peu. Donc, côté temporel, dernier point, ça c'est le temps, ça c'est la force de propulsion que le contrôleur va demander. Si par exemple, ça serait la force de propulsion comme nominale, qui est mon terme ici, qui serait calculé avec le modèle. Dans le temps, avec le terme discontinu ici, qu'est-ce que ça va avoir de l'air? C'est que le contrôleur va osciller entre des termes qui sont plus ou moins K autour d'une valeur nominale qui est celle qui est complètement basée sur le modèle. Donc, plus on a un bon modèle, puis moins on a d'incertitudes, on va tendre vers avoir juste notre force de propulsion nominale, tandis que si on a beaucoup d'incertitudes, ben on peut avoir un contrôleur qui revient presque juste à bang-bang, comme un thermostat qui soit pousse au maximum, soit pousse dans l'autre sens au maximum, si on a beaucoup d'incertitudes. Donc, la discontinuité va être proportionnelle avec le niveau d'incertitude dans le système. Donc, si on rentre un peu plus dans les détails mathématiques qui vont nous aider à déterminer, entre autres, le paramètre K qui peut nous garantir qu'on va converger malgré la perturbation D ici. Donc, si on reprend l'exemple pour dériver le contrôleur exact ici, ça c'est notre modèle. Donc, si on calcule le couple calculé dans ce cas-ci, si vous vous rappelez, on va avoir le terme pour compenser pour l'inertie, qui va être l'accélération R, ça c'est l'accélération instantanée qu'on désire. Et ici, on peut aussi compenser pour la force de drague qu'on connaît, par exemple ici. Donc ça serait le couple nominal qu'on va demander. Et juste ici, un petit détail, le couple. Cette variable-là, elle vient, dans le fond, de QR prime. C'est égal à la vitesse désirée plus l'erreur, comme ça. Et ici, on a ici le terme de S.
Et juste, on va calculer ici S' parce que ça va être utile dans notre dérivation. S', c'est la deuxième dérivée de l'erreur plus lambda comme ça. Donc ici, ce qu'on a ici, on l'a en termes de l'erreur, mais ça va être utile de l'exprimer en termes de QR. Donc ici, on va avoir l'équivalent qui va être QR prime prime. Donc ça ici, QR prime, c'est QD plus QE comme ça. Donc la seule différence, c'est qu'ici, il faut soustraire l'accélération pour qu'on revienne à égalité avec cette expression-là ici. Donc, comme ça. Donc, je vais juste réécrire ma définition de QR ici, parce que je vais avoir besoin d'espace ici. Donc, maintenant, on va s'intéresser à la convergence. Comment vérifier si le contrôleur va nous permettre de converger? Donc, on va utiliser encore l'idée de fonction énergétique, qu'on va vérifier, voir si cette fonction-là est tout le temps décroissante. Donc ici, on va utiliser une demi h s à la 2. Donc si on est capable de, avec notre analyse, le but, ça va être de démontrer que s tend vers 0. Et si s tend vers 0, ben, ça veut dire qu'on tend vers la surface. Et donc, sur la surface, on sait que notre erreur tend vers 0 ici. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vérifier que la dérivée de ce terme-là par rapport au temps est tout le temps négative. Donc, si on prend la dérivée ici, on se retrouve avec SH dérivée de S comme ça. Donc, maintenant, si on regarde la dérivée de S qu'on a calculée ici, on va avoir dans le fond h fois QR deuxième dérivée moins h q comme ça. Donc ici, on connaît ce terme-là parce que c'est le terme qu'on a ici dans notre équation dynamique. Donc on va substituer ici par FP moins CQ, ça devient un plus en fait, et plus D ici. Donc ça, c'est ce terme-là qu'on a étendu. Ensuite, FP, on peut substituer par notre équation de notre contrôleur. Donc ici, on a HQR. Moins CQ.2 et moins K signe de S. Donc ça ici, ça c'était FP. Et il nous reste le terme CQ2 plus D. Donc vous voyez ici le but du terme coupe calculée. Ça, c'est le même principe que quand on n'est pas dans le mode commande robuste, c'est qu'on annule les effets inertiels, puis on annule les termes qu'on connaît. Donc ici, j'avais l'exemple de le drag aérodynamique qu'on pouvait annuler dans notre loi de contrôle. Donc au final, ici, on se retrouve avec deux termes qui restent, moins... On se retrouve avec S. Moins K signe de S plus D. Si je fais S fois le signe de S, ça revient à valeur absolue de S. Et il nous reste un terme DS comme ça. Là maintenant, on veut que ça soit plus petit que 0.
Donc, la condition pour que ça soit plus petit que 0, c'est il faut que on voit ici que le K multiplie la valeur absolue de S, puis D multiplie S comme ça. Fait que si on va être certain que ce terme-là est toujours plus gros que celui-là, pour être sûr que ce soit plus petit que 0, parce que si on a un moins ici, il faut tout simplement que K soit plus grand que la valeur absolue de D. Donc, si K est plus grand que la valeur absolue de D, ça va tout le temps être plus grand que ça. Donc, vu que lui est négatif, tout ça va être plus petit que 0. Donc, ça revient au principe que je disais que plus on a d'incertitudes, donc si on a un gros, des min, des max, grosses perturbations qui peuvent s'appliquer sur notre système, pour garantir qu'on converge, il faut avoir une grosse discontinuité, comme ça, qui va nous pousser fort gauche droite pour nous garder sur la surface de glissement comme ça. Donc ici, si on veut la logique de cette démonstration-là, c'est que si notre tout ça ici, ce que ça nous ce que ça nous fait conclure, c'est que S tend vers 0. Puis si S tend vers 0, ça implique que ici on va finir par avoir dérivé de l'erreur qui est égale à moins QE. Donc, quand on va être sur la surface, on va avoir l'erreur qui tend vers 0 aussi. Ce que, donc, ça implique, considérant notre définition d'erreur ici, que notre position va tendre vers la position désirée comme ça. Donc, c'est le principe, les grands principes de la commande robuste illustrés avec un exemple simple, mais l'idée est un terme discontinu, qu'on s'assure que l'effet du terme discontinu est tout le temps plus grand que la pire erreur, la pire perturbation qu'on peut rencontrer. Voilà.